Suite à l'accusation mensongère du ministre américain adjoint de la justice contre le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de l'Union des démocrates UDS, Jibrin Hissène Mursal, a fait un point de presse relatif à l'allégation mensongère à l'égard du chef de l'État, Varilaj. L'Union des démocrates et socialistes UDS s'indigne contre l'allégation mensongère des ministres américains adjoints de la justice Kenneth Blanco faisant état d'une affaire de la corruption internationale et de blanchiment d'argent contre notre cher président. Face à cette accusation, l'UDS tient à apporter un démenti formel à cette accusation qui n'a pas de fondement. Les efforts personnels qu'a fourni le chef de l'État Idriss Déby Itno dans l'exploitation du pétrole et la mise en place du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers et l'initiative de transparence dans les industries extractives témoigne que le chef de l'État est transparent et gère à bon escient les ressources naturelles de ces pays. Ce genre de propos vise à ternir l'image de notre pays et de notre président de la République.